Bonjour, bonjour, good morning, good morning. This week is going to be a slightly different week. Cette semaine va être une semaine un petit peu différente. Donc aujourd'hui, je suis à la maison. Je vais sûrement faire un peu de carrelage. Probably going to be a bit of tile removing. But otherwise, tomorrow I'm going to meet Dad after delaying that for quite a bit. Donc demain, je vais aller chez mon père après avoir retardé ça depuis quelque temps. Donc récupérer les affaires chez mon père pour ramener ça ici. Donc je ne ferai pas de travail ici jusqu'à vendredi, samedi. Voilà. Wow, c'est bien collé ça, hein? That's really well glued, those things. But then again, that's because it's been done badly. It's not the ridges are not thick enough. Ça a été fait pratiquement plat, ça fait que ça colle sur la tuile en gouttière au lieu de faire que la moitié. Donc ça colle super bien, c'est du boulot, hein. Oh, ah, donc je vais prendre une pause de casser du béton, je vais faire le papier peint, je vais enlever ça. I'm going to take the wallpaper off instead for the moment to take a break. Le papier peint est donc enlevé dans la salle de bain. Wallpaper is now taken off in the bathroom. Donc, on s'est reposé un peu, rested a bit, so I'm going to do more of removing of the tiles here. So, donc je vais enlever un peu plus de tiles, des carrelages. Alors, ce sont les WC faits aussi, donc du papier. Sorry, it's been done as well, so no more wallpaper here. Make it lighter, ça fait aussi briller, plus brillant, plus. Bien que sur les vidéos, ça fait un peu rouge. C'est pas rouge, je vous garantis, hein. C'est jaunâtre. Enfin, voilà, donc ça en fait un autre bleu fait. Bon, on va peut-être faire un peu plus de carrelage maintenant, vu que mon bras va mieux. I'm going to do a few more tiles since my arm is resting now. Let's break the beam off. Like being in a gulag and breaking stones. C'est comme le gulag en train de casser des cailloux. Non, donc ça, il faudra que je fasse autre chose. Un marteau piqueur ou une SDS pour casser ça et les enlever facilement. Hein. Je pense que je vais laisser tomber pour l'instant. Hein. Je vais continuer à faire du papier peint. Donc, tant qu'à faire, ça c'est le couloir qui va donc aux deux chambres et à l'arrière. That's the corridor that goes at the back and the bedrooms.
wallpaper. I'm going to take the wallpaper down because that's not tiring. Bonjour, bonjour. Good morning, good morning. Today, aujourd'hui, donc je vais chez mon père. I'm going to my dad to get some more stuff with the van. But it's going to be difficult. Donc aujourd'hui, je vais chez mon père pour récupérer un peu plus d'affaires, mais ça va être difficile. Parce qu'aujourd'hui, ça va être sans Jesse. C'est mon premier grand voyage en véhicule sans mon chien. Donc, it's going to be my first long trip in the van, in the vehicle, without my dog. So, it's going to be hard not to have the company. Ça va être difficile de ne pas avoir la compagne à côté de moi. Mais enfin, bon, pas le choix, hein. Donc, moi, if the weather is a bit better, le temps est un peu mieux, ça s'est amélioré, il ne pleut pas. Donc, voilà. On pourrait dire, oh bah le fourgon est presque plein, c'est fini alors. We could say the van is nearly full, it's nearly finished. Eh ben non, it's not the case. Il reste tout ça à s'élaborer. Et mon log burner, mon chauffage à bois, voilà, et puis d'un côté à côté il y a tout ça aussi, moins, less, on this side, but still, this is something, aïe aïe aïe. So, I'm on my way back. Donc je suis sur le chemin du retour de mon père. And it's time for lunch break. Et c'est temps pour la pause de midi. À manger quelque chose, donc a bit with a view. It's quite nice. Stop with a view. So, here's what I can see from here. Ce que je peux voir d'ici, c'est quand même sympa pour manger mon repas. It's quite nice to have lunch. Retour à Le Casson. De retour à la maison. Donc, on va continuer le carrelage parce que cette fois-ci, oh, I've got the proper tool. So back to the house and this time I've got the proper tool so I can do some tiling. So when I was at my dad, he had this, so I bought it. Mon père avait ça, donc j'ai emprunté. Parce que je pensais à mon âge, j'ai dit, il va falloir que je m'en achète une parce que je galère. Donc, j'ai emprunté ça à mon père, donc ça devrait aller bien plus vite. That should go a lot quicker. Should go. We'll see. Thank you.
c'est quand même un peu plus rapide, hein, quand même. Hein? It's a bit faster, I must admit, still heavy. Donc c'est quand même lourd sur le bras, mais au moins c'est pas un marteau d'un kilo et demi à taper avec. Hein? It's not a lump hammer of 1.5 kilos to sling about. So much better, much quicker. Quite pleased with that. Papier peint du couloir, donc enlevé. Wallpaper for the corridor, taken off. That's all done. So, I'm going to go back to do some tiling, removing. So, donc, je vais retourner au carrelage pour enlever ça. Et puis, si je veux faire une autre pièce papier peint, il y a donc cette chambre à faire. More wallpaper to be done here. Voilà. Cool, that's much better, Rainy. The wall is finished. Le mur est fini, c'est bien mieux ça. Ça va bien plus vite. Donc on va s'attaquer à ça alors, hein, tant qu'on est là. Since we're here, we're going to attack this one. I'm on the roll, baby. Et là, ça passe bien. Hein. Ça avance. Un autre mur pratiquement fini. Faut que je raffute la lame un petit peu. I just need to sharpen the blade a little bit because it's getting blunt. Oh. Puis donc, I might finish that and then do a bit of wallpaper. Finir ça et faire un peu de papier peint enlever ça. Aujourd'hui, ben, comme c'est un week-end où il fait quand même assez beau, today, since it's a weekend that it's quite nice weather, going to tie the trees a bit for my mum. Je vais couper un peu les arbres un peu pour ma mère.
Oh, et puis ça, oui, il y a Jesse qui me tient compagnie. Oh, Jesse is just there, keeping me company.